Bonjour, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité. Je vais vous parler de la spiritualité, de tout ce qui est spirituel. Vous parler de la fausse spiritualité, parce que vous savez que il y a la vraie spiritualité, mais il y a aussi la fausse spiritualité. La fausse spiritualité qui est une spiritualité d'ailleurs qui n'est pas éternelle, parce que tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas de Dieu, de toute façon, ce n'est pas éternel. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que la spiritualité qui est éternelle et qui est très puissante, c'est celle de Dieu. Donc, du moment que vous n'êtes pas avec Dieu et que vous partez dans autre chose, dans d'autres spiritualités qui ne sont pas de Dieu, vous vous écartez de tout ce qui est éternel, au fait. Et vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes pas aussi puissant que vous pensez. Quand je parle de Dieu, quand je parle de la vraie spiritualité de Dieu, je parle du créateur de la nature, de tout ce qui se rapporte aux forêts, aux montagnes, à nos rivières, la rivière de nos ancêtres, et aussi toutes ces petites recettes ancestrales avec l'indigénat, par exemple la naturopathie, tous ces petits secrets de plantes que nous ont laissés nos grands-mères, nos grands-pères du village. Tous ces petits rituels, mais ces petits rituels qui sont en rapport avec Dieu le Tout-Puissant, les vrais rituels spirituels qui existaient même depuis des millénaires en Afrique. Mais là, je vous parle de la vraie spiritualité, c'est-à-dire tous ces rituels qui sont en rapport avec Dieu, qui sont des rituels vraiment pour faire des bonnes choses et pas pour détruire, vraiment des rituels, je dirais, vraiment de vraie spiritualité. Donc tout ça, c'est des petites recettes de nos grands-parents, de nos tantes, que nos grands-mères nous ont transmises. Et ça, ces recettes-là, ce sont des recettes qui sont éternelles parce qu'elles sont de Dieu, donc elles sont éternelles. Alors que tout ce qui vient d'ailleurs, ce sont des choses destructibles qui paraissent peut-être puissantes au départ, qui font peur, qui... Avec le temps, vous vous rendez compte que non, que ces gens-là ne sont pas si puissants qu'ils en ont l'air. Ces gens-là, au fait, se prennent déjà pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vais vous expliquer par la suite. Donc, vous savez que sur la Terre, le monde est fait de corps, mais le monde est fait aussi de spirituel. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous le savez naturellement. Et vous savez qu'il y a des personnes qui utilisent des mauvais esprits et qui s'en servent pour faire le mal, pour retourner ça contre des proches, contre des gens qu'ils connaissent. Et le but de ces personnes, c'est de montrer qu'ils sont sur la terre et qu'ils sont plus forts que Dieu. Mais en réalité, avec le temps, vous vous rendez compte au fait que ces gens-là ne sont rien du tout et qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est ça, c'est qu'au départ, vous êtes impressionné parce que les esprits qu'ils vous envoient sont des esprits tellement violents qu'ils vont vous piétiner, vous détruire, vous marcher dessus, que vous vous croyez que ce sont des personnes formidables, des personnes qui sont puissantes, qui sont très puissantes, et que vous êtes rien, vous êtes une minable ou un minable à côté de ces gens, et que vous êtes leur esclave et vous êtes à leur merci. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que ces gens-là ne valent rien, et que d'abord, les gens qui font ça, les gens qui travaillent avec ces esprits-là, ce sont des gens en général qui sont nuls, qui ne sont pas intelligents, qui n'ont aucune intelligence, qui ne connaissent rien, qui ne valent rien, et qui ne savent pas quoi faire de leurs mains. Ce sont des gens, au fait, qui sont sur la terre, mais comme ils sont tellement bêtes, ils n'ont rien à foutre, ils ont ça, ils ont que ça comme réussite, c'est-à-dire utiliser ces femmes de nuit et ces maris de nuit qui sont des esprits que eux, ils appellent pour retourner ça contre vous. Et donc, ces personnes qui font ça, en général, c'est des personnes qui sont très bêtes. C'est des personnes qui n'ont rien dans la tête, en général, qui n'ont rien. Mais quand je dis rien, c'est des personnes qui sont même pas capables d'aller planter même un chou ou d'aller planter des salades dans un champ. Donc, c'est pour vous dire à quel point les gens qui font ça, ce sont des idiots, des gens, mais bêtes, qui n'ont rien. Ce sont en général des ratés, des gens qui n'ont rien fait, qui ne font rien dans leur vie, qui n'organisent rien et qui jalousent les autres. Et c'est ça le problème, c'est que souvent les gens qui vous envoient comme ça, ces maris de nuit, ces femmes de nuit, ce sont souvent des gens qui ne foutent rien, des gens qui sont ratés, qui ne tentent rien dans leur vie et qui passent leur journée à jalouser. Ah ouais, mon cousin a fait ça, ma sœur a réussi, elle est millionnaire, mon oncle a monté une grosse entreprise, ça marche très bien pour lui. Ma petite sœur a épousé, je sais pas, un roi ou
Ma petite sœur s'est mariée avec un prince. Ma petite sœur a fait un grand mariage. Et au fait, ce sont des gens qui sont là que pour calculer ce que vous faites. Donc, du matin au soir, ils ne foutent rien. Ils ont un stylo. Ils sont là à faire l'inventaire des gens qui ont réussi et de ce que eux, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire que toi, je ne sais pas, si tu es descendu dans un grand hôtel à Dubaï, eux, ils n'ont jamais été à Dubaï parce qu'ils n'ont rien foutu. Ils n'ont même pas été capables de gagner 5 euros ou 5 ou je sais pas, même 200 francs CFA dans leur poche. Ils ne foutent rien du matin au soir. Ils se font entretenir. Ils ne foutent rien. Et c'est eux qui sont là à noter les gens qui réussissent. Ma cousine a fait ça. Ma grande sœur a monté un grand hôtel. Mon neveu est en train de réussir, il a acheté 3 voitures, donc là, vraiment, il va falloir lui envoyer du lourd pour le massacrer et le piétiner, parce que le pauvre petit neveu, on ne peut pas le laisser comme ça continuer à réussir. Ce n'est pas possible. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui ne foutent rien. Déjà, alors, au fait, il y a des personnes qui s'amusent à faire croire que les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est un truc hein, qu'on s'envoie pour avoir du plaisir, je sais pas quoi. Donc, bon, je respecte, enfin je veux dire, voilà, je respecte la liberté d'expression, mais là, franchement, à un moment, il va falloir arrêter de raconter ça, parce que ce n'est absolument, mais c'est complètement à côté de la plaque, au fait. Parce que vous savez très bien que tout ce qui est mari de nuit, tout ce qu'on parle de femme de nuit, mari de nuit, déjà, ce n'est pas la personne qui s'envoient les maris de nuit et les femmes de nuit. Parce que quand on parle de maris de nuit, de femmes de nuit, ce sont des attaques envoyées par une personne. C'est quelqu'un qui vous fait du mal. Mari de nuit, femme de nuit, c'est quelqu'un déjà qui a pris votre cheveu pour vous travailler et qui vous fait du mal et qui vous envoie des esprits violents pour vous détruire. Donc le mari de nuit, la femme de nuit, c'est pas un truc pour avoir du plaisir. C'est tout le contraire au fait. Le mari de nuit est une arme. Ce qu'on appelle la femme de nuit, le mari de nuit, ce sont des esprits violents et destructeurs. Donc les personnes qui sont victimes de mari de nuit et de femme de nuit sont souvent accusées de se faire venir des hommes et des maris de nuit pour avoir du plaisir. Ça n'a absolument rien à voir, c'est tout ça, c'est faux. La vérité de cette histoire, c'est que les gens qui sont victimes de mari de nuit et de femme de nuit, des fois, n'ose même pas en parler parce que tout de suite, on va les accuser. Ah oui, toi, tu appuies sur un bouton pour avoir un mari de nuit, une femme de nuit pour avoir du plaisir, machin. C'est que des conneries. Donc, les personnes qui sont victimes de mari de nuit et de femme de nuit, ce sont des victimes, oui, de vraies victimes qui sont attaquées à distance. Ce sont des personnes à qui on a fait de la sorcellerie. Ce sont des personnes qui ont été victimes d'un mauvais sort. Et ça, ce sont des gens qui ont lancé un mauvais sort à ces personnes et qui leur envoient des démons pour les détruire. Donc, au fait, ce n'est pas des personnes qui demandent d'avoir mari de nuit, d'avoir femme de nuit, parce que de toute façon, mari de nuit et femme de nuit, il n'y a aucun plaisir. C'est de la destruction massive. C'est comme si on te piétinait, c'est de la destruction massive. C'est pour te détruire. Au fait, c'est pour te détruire. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Quel être humain qui va trouver du plaisir à être détruit? C'est du n'importe quoi. Donc vos histoires de faire croire que oui, les gens qui sont victimes de mari de nuit, femme de nuit, c'est des gens qui cherchent le plaisir, ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, c'est pas à n'importe qui qu'on envoie des maris de nuit et des femmes de nuit. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner le profil des gens à qui on envoie ça. Et ce qui est le plus dégueulasse dans l'histoire, ce qui est le plus dégueulasse, c'est que souvent, ce sont des gens sérieux. C'est des gens sérieux à qui on envoie ça, c'est pas des gens qui courent. La plupart des victimes qui ont eu ça, c'était des femmes sérieuses, des femmes qui travaillaient justement, qui étaient des bosseuses, qui étudiaient et qui allaient devenir des ministres et des présidentes. C'est pas des femmes qui perdaient leur temps à courir à gauche, à droite, à qui on faisait ça. Et ça, il faut le savoir. Et les hommes à qui on fait ça, c'est pareil. Les hommes à qui on envoie des femmes de nuit, les hommes qu'on attaque, à qui on envoie des femmes de nuit, la plupart du temps, c'est des hommes sérieux. C'est des hommes qui bossent, des bosseurs qui vont réussir. C'est pas des gars qui perdent leur temps à courir dans les maquis à gauche, à droite. Et c'est à ces gars-là, justement, qu'on fait ça. C'est pas à n'importe qui qu'on fait ça, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas à n'importe qui qu'on fait ça. Et vous allez comprendre dans une prochaine vidéo.
Mais par contre, ceux qui font ça, ceux qui vous envoient les femmes de nuit, les maris de nuit, eux, c'est des gens qui collectionnent des maîtresses à gauche, à droite, et des amants à gauche, à droite. Parce que eux, il n'y a que au fait qu'ils doivent profiter. C'est-à-dire que eux, la terre est pour eux. Ils sont au-dessus de Dieu et il n'y a qu'eux qui doivent profiter. Et donc les autres n'ont pas le droit de réussir. Les autres n'ont pas le droit. Parce que eux, comme ils ont des amants à gauche, à droite, comme elles ont des amants à gauche, à droite, et comme eux, ils ont des maîtresses à gauche, à droite, ils s'imaginent que c'est tout le monde qui est comme eux et que nous, on va faire comme eux. Donc, ils vous envoient mari de nuit, femme de nuit. Comme ça, dans leur tête, vous n'allez pas faire comme eux, vous n'allez pas profiter, soi-disant, vous n'allez pas réussir comme eux. Donc, je vous donne déjà un exemple et vous allez comprendre. N'hésitez pas à suivre ma prochaine vidéo. On en reparle.